Mathilde Giraudot, chargée de mission au sein de l'association départementale des Francas de Vendée. Je suis en coordination en fait des animations d'été et pour cet été on a retravaillé tout un programme d'animation en lien avec la crise sanitaire, donc des animations itinérantes et des stages thématiques. Cet été, donc, nous avons retravaillé nos propositions d'animation à destination des structures de loisirs sur le département. On est plutôt parti sur des animations itinérantes, donc des animations à la journée. Donc là, on se déplace dans les structures sur une journée. On propose également des stages thématiques sur 2 jours, voire 2 jours et une veillée par moment. Là aujourd'hui, donc, on se trouve à Foussé-Perret, au centre de loisirs de Foussé-Perret. On propose donc 2 animations itinérantes. Une animation autour de la citoyenneté pour les plus grands, autour de l'expression. Et une animation pour les moins de 6 ans autour donc, des histoires qui voyagent, donc plutôt autour des contes et histoires. Création de boîtes à histoires, raconte-tapis, etc. Ce qui est appréciable donc, dans ces animations itinérantes, c'est de pouvoir se rendre dans les structures, de pouvoir aller à la rencontre des enfants, leur faire partager aussi notre passion, hein, l'animation et moi autour de, voilà, des histoires aujourd'hui. Là aujourd'hui, ils sont très réceptifs les enfants, ils sont vraiment à l'écoute, ils ont envie voilà, de découvrir et de faire. Quatre thématiques ont été proposées. Une thématique autour de la citoyenneté, une thématique autour des sciences, une thématique autour des arts plastiques et des histoires, histoires et contes. Autour des stages thématiques, donc le deuxième volet, plutôt des stages donc sur 2 jours, voire 2 jours une veillée, on est plus autour de l'astronomie, de la petite ours, et autour d'un stage autour des arts plastiques.